La mission qui nous a été confiée donc en février 2003 était de créer et de faire vivre une mission nationale qui devait faciliter la mise en œuvre d'un plan qui s'appelait le plan Hôpital 2007 sur son volet rénovation et investissement, accompagnement d'investissement. Travailler à la main, c'était très innovant parce que c'était une des premières structures créées par un gouvernement pour travailler sur des opérations publiques-privées avec des personnes originaires du secteur public ou privé. Les établissements pensaient fréquemment qu'on était décisionnaire et qu'on avait les pleins pouvoirs sur ce plan d'investissement. En réalité, nous n'étions que l'intermédiaire entre les ARH et le ministère puisque nous donnions un avis d'expert. Nous avions trois atouts majeurs. Un but, une cible claire. Deuxième condition, nous avions la confiance des décideurs. Nous avons une véritable liberté de manœuvre, de mise en œuvre. Et enfin, je considère que le fait d'avoir eu 6 ans pour lancer, déployer et évaluer, véritablement, ça a été une chance. Le GEMCI a été créé en 1999. Il succédait à une longue période sans structure nationale pour l'informatique hospitalière. Et donc, il y avait un manque. Et c'est dans cet esprit que le GEMCI a été créé. D'un côté, on pouvait dire, oui, le GEMCI, ils font que des trucs abstraits, on ne comprend pas ce qu'ils font. C'est de l'organisation, c'est de l'informatique. Ce ne sont pas des experts en informatique, ils ne dépannent pas des ordinateurs, ils sont là plutôt pour modéliser le métier de l'hôpital. On ne s'occupait pas du tout de technologie au GEMCI. Le GEMCI s'occupait de gestion. En matière de sécurité, on a travaillé notamment sur la confidentialité pour être sûr et garantir aux patients que les données de santé qu'il nous fournit ne serviront qu'aux médecins et au personnel qui en a besoin et à personne d'autre. Et en matière d'intégrité, garantir aux patients que les données qu'ils nous donnent seront sauvegardées intégralement. C'était un groupement qui travaillait beaucoup à la transversalité entre les projets. Et chacun pouvait participer ou donner son avis sur le travail des autres et il y avait un enrichissement mutuel qui était déjà très présent. La MEA avait pour objectif d'améliorer la qualité de fonctionnement des services hospitaliers et de mettre au jour des bonnes pratiques organisationnelles avec des résultats très concrets. On travaillait avec les établissements et pour les établissements avec l'appui des cabinets de conseil qu'on sélectionnait par appel d'offres sur des sujets très pragmatiques que pouvait être l'amélioration de l'organisation des blocs opératoires, celle des services d'imagerie sur la réduction des délais de rendez-vous ou l'accès aux services d'urgence avec une réduction des temps de passage dans les services d'urgence. C'était une petite équipe et avec un dynamisme fou, une direction, c'est vrai, une directrice qui avait une idée par minute. On a travaillé quand même sur 1400 projets en 5 ans avec plusieurs centaines d'établissements et on a obtenu des petits résultats mais qui à l'échelle de chaque service étaient des avancées très importantes. La période de préfiguration, longue. On n'avait pas de programme de travail, les agences étaient sur 3 sites différents donc c'est pas évident pour se connaître et créer des relations de travail. Ça a été chaotique, oui, et ça l'est encore dans une certaine mesure. C'est pas évident de fusionner des compétences, des personnes, des gens, des hommes et des femmes dans une même structure et arriver à un résultat moins d'1 an plus tard. C'était un temps nécessaire à la maturation pour pouvoir définir et être sûr du périmètre d'intervention de cette nouvelle structure, mais également des acteurs. Le temps a été finalement propice à ce qu'on se rapproche, qu'on apprenne à travailler ensemble et surtout qu'on bâtisse des projets ensemble, que ce soit encore une fois pour les établissements et pour les ARS. Ce que je trouvais extraordinaire, c'est que l'ANAP n'existait pas encore juridiquement complètement, qu'elle n'existait pas physiquement par des lieux identifiés, qu'il n'y avait pas d'équipe, et que déjà elle existait dans tous les esprits, et que c'était comme une énergie qui arrivait et qui allait aider à faire progresser tout le système de santé. L'ANAP est la fille des 3 missions d'origine. Elle a repris les principes, les méthodes, en partie les hommes et les femmes. Et ça, c'est un atout pour la NAP, de partir sur un acquis. Par contre, il est clair que le contexte a changé, la donne a changé, et donc la NAP doit être une fille
différente de ses parents. Là, on est dans un champ sanitaire et médico-social, donc un champ d'intervention plus large. Avant, on était plus dans un accompagnement, là, on est plus dans une transformation globale. On peut aborder avec une direction générale l'ensemble des sujets, et je note qu'elle apprécie qu'on ne vienne pas parler que de système d'information ou que d'un problème particulier de gestion des lits ou je ne sais quoi. On aborde l'ensemble des sujets, on voit la performance dans toutes ces dimensions. Et c'est ça qui a été fait avec la NAP. C'était de mettre trois structures qui avaient des métiers, des spécificités, des compétences, des réseaux, des possibilités, de les mettre ensemble pour créer plus de synergie entre elles. Que les projets aient de vrais leviers de changement et de transformation du système de santé. Mon souhait est que l'ANA puisse apporter aux établissements de santé ce dont ils ont besoin pour leur performance et pour développer leur système d'information. Premièrement, il faut améliorer les conditions de prise en charge des personnes dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux. On est plusieurs à partager une vision du système, à vouloir faire progresser le système de santé, donc en s'appuyant sur des valeurs, et que ce qui est privilégié, c'est l'action. Deuxième objectif, il faut améliorer les conditions de travail des professionnels, parce que si on embarque les professionnels dans l'amélioration, dans la dynamique, alors à ce moment-là, on aura gagné. On est dans un plan de réorganisation et de changement qui se conçoit au niveau d'une direction d'établissement et qui va ensuite irriguer les différents services qui peuvent être concernés par ces changements. Troisième objectif consiste à améliorer l'efficacité économique des établissements. La non-qualité, ça coûte cher, donc quand on éradique la non-qualité, on améliore automatiquement les comptes des établissements. Qu'est-ce que je souhaite à la NAP ? Beaucoup de choses, de bonnes choses. Je pense qu'elle va réussir, je souhaite qu'elle confirme ses débuts. Mais elle réussira si elle reste modeste et si elle travaille avec tous les acteurs de la place. Alors on ne gagnera pas tout seul, on travaillera avec les professionnels, en externe, tous les professionnels, les médecins, les soignants, les directeurs, les ingénieurs. Et puis on réussira en interne avec la mobilisation des équipes, le renforcement de leurs compétences, parce que l'ANAP, ça se veut aussi une entreprise polyvalente, une entreprise apprenante, dans laquelle les collaborateurs se sentent bien. Ils se sentent bien parce qu'ils sont mus par un objectif noble qui est d'améliorer profondément le système de santé.